Jag kan inte längre höra syrsor Det är trist Men det är en överkomlig brist Syrsans Syssansången... est heute en Berlin et am Freitag. Là, je suppose qu'on prenait soin de détourner son regard de ce qu'elle aurait pu voir. Cette femme et ses films ne laissaient personne indifférent. Vous écoutez Close-up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Une grosse En septembre 1945, la Seconde Guerre mondiale se conclut par la défaite du nazisme. Pour Zara Lender, qui fut l'emblème du cinéma allemand durant cette période trouble, un long enfer commence. Jusqu'à sa mort en 1980, l'actrice sera le centre des rumeurs qui l'accusent d'avoir collaboré avec le régime nazi et d'entretenir des relations intimes avec ses membres. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de close-up dramatique, épisode que je crois très, très intéressant aujourd'hui puisqu'on va parler de Zara Lender et plus particulièrement de son lien très fort avec le parti nazi. Quand on parle de Zara Lender, c'est très difficile de pas parler de ce passage de sa vie. Quand la Seconde Guerre mondiale commence, l'actrice est déjà très populaire en Allemagne, même que la grande partie de sa carrière se passe dans ce pays. Zara va avoir cependant une notoriété mondiale, et elle aurait vendu pas moins de 25 millions de disques au cours de sa carrière puisqu'en plus d'avoir un talent naturel pour le jeu, la femme était aussi une chanteuse avec une voix unique, une voix très grave qui a charmé la planète entière. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate et que la montée fulgurante du Nazi se fait, Zara Lender va se mettre au service des Nazis. Elle va accepter de façon volontaire ou non le rôle que Marlene Dietrich avait refusé, celui du visage romantique et glorieux du Troisième Reich. Et en même temps, elle va devenir le visage de la propagande. Le sommet de sa gloire, vous allez voir, elle va le connaître en plus pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les nazis. Et après cet événement historique, elle va toujours nier son implication dans la propagande nazie et tout ce qui a un lien avec ce régime politique qui a entraîné la guerre la plus marquante de l'histoire. Histoire avec un grand H, bien évidemment. Zara Lender, surtout pendant sa période avec le Parti nazi, va être comparée à Greta Garbo. On va même la surnommer la Garbo nazie. Ça nous donne, je pense, une bonne vision de ce que représentait Lender dans le cinéma allemand, en la comparant à Garbo. Dans les photos publicitaires de la chanteuse et actrice, on retrouve aussi une certaine ressemblance avec les photos de la star hollywoodienne. C'est assez frappant des fois-là. Elle était vraiment un morceau important du casse-tête cinéma allemand. Sans elle, la culture cinématographique du pays n'aurait pas été la même. En plus d'être comparée à Garbo, Zara Lender a été comparée à Marlene Dietrich. Dietrich qui chantait aussi, et Lender avait presque la même tonalité de voix que l'Allemande. Zara Lender a une voix un peu plus grave que Dietrich, mais ces comparaisons sont comme, dans le cas de Garbo, une démonstration de ce que représentait Lender chez le parti nazi. En une seule femme, on retrouvait deux des plus grandes stars féminines des années 30 qui, par la suite, elles aussi vont rentrer dans l'histoire. On va essayer de démystifier un peu le personnage complexe qu'a été Zara Lender. Mais avant de m'embarquer dans cette histoire très Complexe, je veux faire un retour sur la vie de la chanteuse et actrice avant la Seconde Guerre mondiale. Sarah Stina Edberg, de son vrai nom, naît à Karlstad, dans le comté du Varland, le 15 mars 1907. Les gens de ce coin de la Suède sont réputés pour être d'excellents conteurs d'histoires et avoir une certaine habileté afin d'arranger la réalité à leur avantage. Historiquement, le Varland est reconnu pour avoir été le lieu de résidence de plusieurs supposés sorciers et sorcières au cours des siècles passés. Lorsque la future Zara Lender naît, on raconte toujours en Suède cette rumeur persistante comme quoi tous les habitants du Varland ont du sang de sorciers et qu'il est mieux de pas trop les embêter, au risque de se voir jeter un ou plusieurs sorts. La petite Suédoise naît dans un environnement assez tranquille. La famille Edberg est composée déjà de quatre fils en plus des deux parents. Avec la nouvelle venue, la famille compte sept membres, une assez belle fratrie. Les parents de Zara forment un couple uni et comme on dit, les opposés s'attirent. Le père, Anders, est un agent immobilier qui, dans sa jeunesse, a rêvé de scènes, mais aussi de musique. Anders est un passionné de musique traditionnelle suédoise, mais est aussi très curieux face aux différentes cultures. Mathilda, la mère, est une femme au foyer très occupée à gérer ses quatre garçons, en plus de Zara. Mathilda n'a aucun intérêt pour la musique ni pour le théâtre. Elle estime que les gens qui travaillent dans ces milieux sont des personnes peu recommandables. La mère a entendu un nombre impressionnant d'histoires où ces artistes font la fête toute la nuit et où l'alcool coule à flot. Le manque d'intérêt pour l'art de Mathilda sera transmis à ses quatre fils tandis que Zara va hériter de la passion de son père pour la musique, la scène et l'art en général. Un intérêt qui va faire en sorte que la jeune fille est moquée par ses frères et même sa mère. Dès l'âge de 11 ans, Zara joue du piano, connaît les bases du violon et sait ajuster sa voix afin de suivre les différentes gammes de musique. Grâce à sa nounou d'origine allemande, la suédoise connaît déjà les bases de la langue et est capable de s'exprimer très clairement. Jusqu'en 1922, Zara va étudier les arts et la musique où on lui prédit un avenir plus qu'extraordinaire. C'est une habituée des théâtres, mais aussi des cinémas où elle passe la grande partie de son temps libre. À 16 ans déjà, la future star possède quelques bonnes expériences au théâtre, ayant joué dans différentes productions scolaires. Elle est bien décidée à faire carrière dans les arts de la scène et peut-être même au cinéma, qui sait. Mathilda, sa mère, est loin d'approuver cette ambition et ce choix de carrière. Mathilda va essayer plus souvent qu'à son tour de convaincre sa fille de changer d'intérêt et de faire carrière dans un domaine qu'elle dit plus sérieux. Par contre, son père est tant qu'à lui plus qu'enthousiasme face aux idées de sa fille. Il a assisté à toutes les pièces dans lesquelles Zara est apparue et est bien conscient du talent artistique de sa fille. Anders va même payer le tout premier voyage en Allemagne à Zara, afin qu'elle puisse y voir son idole, Freddy Massari, qui est appelée à ce moment-là la reine des opérettes. C'est donc en 1926, à 19 ans, que la future star dépose pour la première fois son pied en Allemagne, et elle tombera sous le charme du pays, pays qu'elle va visiter et même habiter pendant plusieurs années par la suite. À son retour en Suède, quelques jours après la performance de son idole, Zara est bel et bien décidée à faire carrière dans le cinéma. Malheureusement pour la jeune femme, elle échoue son audition afin d'entrer à l'école royale d'art dramatique. Elle doit donc attendre une année supplémentaire afin de retenter sa chance. Toujours en 1926, elle se marie à Nils Lender, un acteur secondaire de théâtre qui a fait quelques films. Au cours de leur courte union, puisqu'ils se séparent en 1931, ils auront deux enfants. Mais cette union va surtout donner la chance, grâce au contact de son mari, à Zara de faire ses premiers essais dans des pièces de plus grande renommée, mais aussi au cinéma. En 1930, elle est engagée dans une troupe ambulante de cabarets où elle danse, chante et joue la comédie. Rapidement, son charisme et sa voix très grave et très unique font de Zara Lender une star des cabarets. C'est à cette époque que Do You Want to See a Star, une chanson qui deviendra emblématique du répertoire de la chanteuse, naît. La même année, l'artiste est remarqué par Ernst Ralph, considéré comme le roi des cabarets qui produit aussi plusieurs spectacles à travers la Suède, mais aussi à travers la France et l'Allemagne. Ralph est immédiatement séduit par Lender et comprend le potentiel que la jeune femme possède. Grâce au roi des cabarets, Lender participe à des productions plus imposantes où elle cause un véritable succès à chaque apparition toujours en 1930 elle enregistre ses premiers disques avec la compagnie odéon qui connaîtront beaucoup de succès sa nouvelle notoriété qui n'arrête pas d'augmenter l'emmène très souvent en allemagne où elle côtoie régulièrement les membres de différents partis politiques déjà à cette époque elle connaissait des politiciens de renom allemand comme je l'ai dit plus tôt, en 1931, Zara et Nils Lander divorcent après plusieurs semaines d'éloignement. La séparation se fait de façon très amicale et Nils permet à son ex-femme de garder le nom de Leander afin de continuer sa carrière, mais aussi pour faire en sorte que son nom ne soit pas changé et qui aurait pu causer une certaine confusion auprès du public et ainsi jouer sur la réputation et la popularité de Lander. En 1934, elle sort une chanson contre le nazisme à l'ombre d'une botte, une chanson qui fait écho au parti nazi qui gagne de plus en plus en popularité en Allemagne et la Suède est bien consciente de cette montée très dangereuse. En 1935, Zara Lender est une star monumentale en Suède et commence à faire de plus en plus parler d'elle à l'extérieur de son pays natal. Ses chansons ainsi que ses films sont très populaires et on dit que la jeune femme suivra les traces de Greta Garbo et partira pour Hollywood tôt ou tard. Pour la Suède, c'est une évidence. Le pays devient trop petit pour la femme et elle s'envolera bientôt vers les États-Unis. D'autant plus que Zara Lender a un caractère beaucoup plus américain que suédois. Ce que je veux dire par là, c'est que la majorité des vedettes suédoises sont discrètes et ne montrent pas leur richesse. Ces stars ne parlent pas énormément de leurs projets, de leurs talents et encore moins de leur vie privée. Le meilleur exemple, c'est Greta Garbo, qui toute sa vie a cultivé cette espèce de mythe mystérieux autour d'elle, et dans le cas de Zara, c'est tout le contraire. Elle n'hésite pas à se montrer dans des manteaux de fourrure un peu à la Joan Crayford. Elle adore parler de ses films, signer des autographes, mais surtout elle avoue aimer se faire voir et entendre. Un caractère qui déplaît grandement au peuple suédois, qui se retrouve un peu dans une relation amour-haine avec Zara Lender. La Suède veut voir et entendre Zara, mais en même temps son extravagance déplaît. L'année 1936 est l'année la plus importante dans la carrière de Lender. Elle apparaît dans plusieurs pièces à succès et ses disques font des ventes records. Le 1er septembre, à Vienne, sort le film Axel an der Milster » où elle parodie Marlene Dietrich et le type de grande production hollywoodienne. Avec ce film, elle devient une star internationale et son nom est cité partout. Le même mois sort Première, qui sera un succès encore plus grand que le film précédent. Hollywood et Londres lui font des offres de plus en plus payantes. Hollywood lui offre un contrat très payant, mais avec plus ou moins de liberté artistique. Tandis que Londres lui offre un contrat moins payant, mais avec plus de liberté. Les négociations sont sérieuses et difficiles. Les contrats sont souvent modifiés, mais Zara, elle sait pas trop. Elle veut pas quitter la Suède pour le moment et elle est peu enthousiaste à l'idée de devoir apprendre l'anglais. Langue qu'elle parle et comprend que très peu. Mais alors que Zara Lender reçoit des offres toujours plus payantes de l'international, elle reçoit de la UFA. Le studio de cinéma allemand, un contrat qu'elle ne peut pas refuser. Le 28 octobre 1936, Zara Lender signe un contrat avec la UFA, l'Universum Film AG. Avec ce contrat, elle devient l'artiste la mieux payée du studio avec un salaire de 100 000 par mois. Zara a la pleine liberté sur le choix de ses films, de ses chansons et peut participer à toutes les étapes de ses productions. Elle s'engage à tourner trois films entre 1936 et 1938. Ce contrat avec la Yufa va changer sa vie à tout jamais et amplifier à la fois le mythe et le mystère de Zara Lender, l'emblème nazi. Sarah Leander. Sarah Leander ist heute in Berlin eingetroffen und am Freitag. Ich versuche immer wieder eine große Tournee anzufangen. Proud Queen, you know. Dann Hamm und Krefeld, Solingen. Zum neuen Ufern war das mit den Liedern, die ich. En 1936, Zara Lender signe le contrat le plus important de sa Karriere au cinéma. De un, parce que ce contrat avec l'Universum Film AG va lui donner ses plus gros projets au grand écran. Et de deux, parce que ce contrat va l'amener à être le visage du Parti nazi et même qu'elle va devenir l'emblème. Elle va devenir un objet de propagande, peut-être même le plus important. Mais avant, je pense que c'est nécessaire de faire l'historique de la UFA qui a toujours tourné autour du Parti nazi. La Universum Film AG, c'est le Hollywood de l'Allemagne. Créé en 1917 alors que Hollywood se développe de plus en plus, les Allemands ont l'ambition et le rêve d'égaliser les États-Unis justement. Et pour ça, il leur fallait un studio d'importance. C'est comme ça qu'est née la Universum Film AG. Dès sa création, le studio a pour but de promouvoir la culture allemande et de la faire paraître supérieure aux autres pays qu'on n'hésite pas à dénigrer ouvertement d'ailleurs. On tente aussi de démontrer que le peuple allemand est un peuple fort, brillant et résilient. Jusqu'en 1927, la UFA va être très populaire puisqu'elle est la source principale de divertissement en Allemagne. Les films américains sont que très peu populaires au pays et c'est la même chose pour les productions d'autres pays européens. Mais en 1927, il y a une vague de départ de producteurs, d'acteurs, d'actrices, de chanteurs, de chanteuses, mais aussi de plusieurs personnes d'importance dans la culture du pays. Ces personnes partent majoritairement pour tenter leur chance en Amérique, mais certains vont en France, en Belgique et aux alentours de l'Allemagne. En même temps que cette vague qui laisse l'Allemagne et la Yufa aigris, Hollywood s'impose finalement au pays. Les années qui suivent seront très difficiles pour l'industrie du film allemand. Les productions sont de moins en moins imposantes et en 1930, le pays perd Marlene Dietrich. Pour de bon, qui s'envole pour Hollywood, bien évidemment. Avec Dietrich, qui est la plus grande star du cinéma allemand, les productions du pays étaient assurées d'un succès mineur, puisque l'actrice était une valeur sûre. Avec son départ, plusieurs pensent que ça signe la mort de la culture cinématographique du pays. Mais en 1933, l'Allemagne entre en période nazie. Grâce à plusieurs mesures extrêmes afin de préserver l'identité allemande, la UFA est sauvée. Le studio reçoit de l'aide financière surtout de plusieurs personnes d'influence comme Joseph Goebbels, qui sera le bras droit de Hitler quelques années plus tard et surtout nommé ministre de la culture et de la propagande. Goebbels s'implique grandement dans la UFA et aide beaucoup à payer la promotion des films produits par le studio. En 1937, la UFA devient entièrement sous le contrôle du parti nazi de Hitler. Avec ce régime, Hitler boycotte les productions des autres pays et le peuple allemand n'a pas d'autre choix que d'assister aux films du pays. Pas besoin de vous dire que ça va aider la Yufa à renflouer ses caisses. Est-ce que j'ai aussi besoin de vous dire quels sont les thèmes principaux des films allemands sous le régime d'Hitler La supériorité du peuple allemand entre 1939 et 1945, la UFA va produire la grande majorité des films de propagande historiquement biaisés et qui dépeint l'Allemagne comme une puissance ultime. On va rendre la Seconde Guerre mondiale très romantique, on va chercher aussi à justifier la guerre en dénigrant le reste du monde et particulièrement les Juifs. C'est aussi sous ce régime que le star-système allemand va naître en donnant le succès et la gloire aux plus grands artistes qui aident la propagande. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Universum Film AG va connaître sa dissolution avant d'être reconstituée en 2013 dans le but de préserver les films de propagande et les autres productions faites durant cette période. Vous comprenez dans quel genre de studio qu'entre Zara Lender en 1936 lorsqu'elle signe son contrat doré. Elle arrive dans une compagnie qui a toujours flirté avec la propagande et qui se cherche d'ailleurs une nouvelle vedette. Cette vedette, ils l'ont trouvée et ce sera Zara Lender. La chanteuse et actrice déménage en Allemagne afin de faciliter son emploi du temps. Elle arrive dans un pays qui est en train de vivre tout un changement et qui va vivre un bouleversement historique dans les années qui suivront. Alors qu'elle n'a jamais mis un seul pied dans les studios de la UFA, Zara Lender est déjà lancée dans le monde des stars allemandes. Il faut dire que le pays est loin d'être inconnu pour la chanteuse qui l'a déjà visité à de nombreuses reprises. Le public allemand connaît très bien aussi la femme et l'aime déjà pas mal on peut vraiment dire qu'elle débarque en grande star nationale presque. Zara Lender devient rapidement une mondaine allemande. Elle est invitée aux soirées les plus influentes et rencontre des hommes très importants comme Adolf Hitler. Hitler est un fan de l'actrice, il a vu, selon la grande majorité des sources, tous les films de Lender. Il va même lui donner un cadeau dispendieux, une voiture de l'année afin de faciliter ses déplacements à travers le pays. Plusieurs sources vont même prêter une certaine liaison amoureuse entre Hitler et Lender. Mais il n'y a pas grand chose qui prouve tout ça. Il n'existe pas de lettres ou de correspondance entre les deux et Lender a toujours affirmé avoir rencontré Hitler une seule et unique fois. C'était lors de la soirée où le dirigeant lui a donné la dite voiture. Mais selon des historiens, il est quasi impossible que Léander et Hitler se soient croisés qu'une seule fois. De un, parce que Léander était une invitée de marque pour les soirées mondaines, et de deux, parce que Hitler aimait le cinéma et visitait très souvent les studios pour se tenir au courant des prochaines productions. Il serait donc très étonnant que Hitler et Léander se soient croisés qu'une seule fois. Zara Lender ne sera pas proche uniquement de Hitler pendant sa carrière allemande. Elle va être très proche de Joseph Goebbels, son bras droit. Goebbels qui, je le rappelle, va contrôler un peu la UFA pendant un peu plus de dix ans. Goebbels est lui aussi un fan de l'actrice et possède la grande majorité de ses disques chez lui. Très souvent Goebbels va s'assurer que Leander ait tout ce dont elle a besoin et ne manque de rien en communiquant avec elle. Ils vont développer une relation amicale très proche au cours des années qui suivront. Donc, Zara Lender arrive à la UFA en 1936 et je peux vous assurer que non seulement le studio, mais l'Allemagne entière ont de grands projets pour l'actrice. En 1937, ses deux premiers films à saveur de propagande vont sortir et connaître de grands succès. Le public retient son souffle à chaque moment dramatique et espère voir Léandre ressortir gagnante de ses films. Dans les salles de cinéma, on doit arrêter la projection de ses films parce que le public se lève et applaudit à la fin de ses chansons, ce qui cause tout un vacarme. En l'espace d'une année seulement, elle devient la grande star du pays. À chaque sortie que la star fait, elle doit être escortée afin d'éviter les mouvements de foule qui pourraient la blesser. Mais aussi, on peut se demander si Zara Lender était au courant qu'une deuxième guerre mondiale était en 1937 sur le point d'éclater. On sait qu'elle n'avait pas accès aux journaux, qu'elle n'était pas une grande consommatrice de radio et que ses correspondances étaient censurées. On peut, je pense, douter que Leander savait que la Seconde Guerre éclaterait bientôt. D'ailleurs, à chaque fois que l'actrice est en public, on fait très attention à ce qu'elle ne soit pas en contact avec des affiches de propagande ou encore faisant référence au conflit mondial prochain. Au final, ça avantageait assez bien le parti nazi que Leander ait besoin d'une équipe autour d'elle pour ses sorties. Avec ses deux premiers films, Zara Leander contraste un peu avec l'image de la femme idéale nazie. L'idéal féminin est une femme soumise qui attend son mari chez soi, qui s'occupe de sa maison et de sa famille. C'est une femme réservée à la sexualité refoulée qui possède aucune ambition professionnelle. Elle trouve son bonheur dans sa famille et ses occupations très simples. Alors que Zara incarne pratiquement le contraire dans ses films, elle joue des femmes fortes et ambitieuses qui ont toujours des emplois qui pourraient lui permettre d'être indépendantes. Elle a une sexualité très libre et est souvent extravagante. On peut trouver ça un peu étrange puisqu'elle va devenir l'emblème nazi, mais en même temps je me dis que les femmes devaient l'admirer d'incarner ce genre de modèle. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et l'Allemagne peut compter sur Zara Leander comme personnalité de soutien. Au début de la guerre, l'actrice apparaît souvent dans les journaux et est une voix régulière dans les radios afin d'afficher son soutien au régime nazi. Elle affirme aimer plus que tout son pays d'adoption, sans qui elle n'aurait pas le succès immense qu'elle connaît. Leander devient une figure importante de la mobilisation militaire et elle incite des milliers d'hommes à rejoindre l'armée. De toute façon, ils n'avaient pas vraiment le choix, je vous dirais. Si en public il n'existe qu'une seule version de Zara Leander, celle qui glorifie l'Allemagne et Hitler, en privé il existe une différence. Selon certains proches de l'actrice, léander n'avait pas particulièrement un amour pour le pays. Elle n'approuvait pas le choix du régime nazi et parodiait même Hitler. Mais selon d'autres personnes, ce serait plutôt le contraire. Une image qui ressemble plus à l'actrice qui glorifie le régime des nazis. Donc, on sait pas vraiment qui croire. Est-ce que Zara Lender était vraiment profondément en amour avec le régime nazi ou est-ce que au contraire, elle n'avait pas vraiment d'affection, voire elle le détestait, on va jamais vraiment le savoir. À la fin de l'année 1939, Zara Lender aurait été rencontrée par la Gestapo afin de s'assurer qu'elle ne travaille pas pour les services secrets suédois ou russes, ce qui serait, selon toute vraisemblance, une mesure normale afin de s'assurer que la future star du nazisme était vraiment loyale envers le régime. Jusqu'en 1941, Zara Lender sera le visage idyllique du nazisme. Elle se retrouve sur des affiches de propagande où on glorifie à la fois la culture, l'armée, Hitler et l'Allemagne en général. Son visage est aussi l'inspiration de plusieurs personnages féminins fictifs qui se retrouvent sur différents posters à travers la ville. On diffuse ses chansons, toujours à saveur de propagande, plusieurs fois par heure dans les radios. C'est aussi pendant cette période que la relation avec son pays d'origine, la Suède, va se complexer encore davantage. Le peuple suédois est bien au courant du succès immense de Zara Leander en Allemagne. Les Suédois en sont bien fiers, mais en même temps, elle glorifie l'Allemagne. Elle incarne le visage du nazisme. Et bien que les deux pays ont toujours été assez amicaux entre eux, la Suède est loin d'être d'accord avec ce régime totalitaire. En plus, Zara Leander, elle dépeint très mal la Suède et le reste du monde à l'écran, chose qui irrite le peuple suédois. Au cours de l'année 1940, un nombre considérable de magazines vont écrire des articles peu élogieux concernant Leander. On critique le fait qu'elle ne semble pas vouloir revenir en Suède et qu'elle semble devenir de plus en plus allemande. Parfois, on va même jusqu'à souhaiter qu'elle ne revienne jamais au pays. En soutenant le régime d'Hitler, la majorité des Suédois sont persuadés qu'elle est d'accord à 100% avec le nazisme. Des soupçons de nazisme qui sont amplifiés après que Leander ait acheté une immense maison près de l'eau en Suède. Les services secrets suédois croient que l'achat de cette maison va servir de base aux Allemands lorsqu'ils débarqueront en Suède afin de l'envahir. La maison étant située près de l'eau, les Allemands pourront débarquer discrètement, s'y établir avec l'aide de l'actrice avant d'envahir le pays. Une rumeur qui est malheureusement publiée et qui va amplifier le mythe de Léander avec les nazis. Zara, elle est au courant par sa famille de tout ce qui se dit sur elle dans son pays natal. Et elle trouve ça très difficile. Elle n'est pas en colère contre la Suède, elle comprend très bien la grogne qui monte envers elle. Mais en même temps, elle travaille pour la UFA. Elle est la star la mieux payée de l'histoire du studio et ses films sont des immenses succès. Elle ne peut pas quitter l'Allemagne de façon régulière, surtout en temps de guerre. Et au même moment, l'actrice est l'artiste que les soldats allemands veulent voir le plus. Elle est une invitée plus que régulière aux nombreux galas de soutien organisés par Hitler lui-même. Leander se retrouve alors sur une scène devant des milliers de soldats qui chantent ses chansons avec elle. La femme ne fait pas seulement chanter lors de ces événements, mais elle livre des discours d'encouragement aux soldats. Et un peu comme le faisait Marlene Dietrich avec les Américains et les Français, Zara Lender prend le temps de rencontrer, de discuter, de réconforter les militaires après chaque prestation. En 1942, Zara va connaître le plus grand succès de sa carrière, puisque le film Un grand amour sort en salle. Dans cette production, elle incarne une chanteuse qui tombe amoureuse d'un pilote malheureusement leur amour est impossible, parce que la guerre fait rage. Ici, pour une autre fois, la guerre est romantique et glorifiée on retrouve plusieurs chansons de propagande à travers le film comme ce n'est pas la fin du monde. dans cette chanson, le message ne peut pas être plus clair. nous gagnerons cette guerre. et en plus, dans cette scène, l'actrice est devant un public de soldats qui chantent avec elle. une scène qui, je pense, est la pure représentation du rôle qu'a joué zara leander avec les nazis. une scène qui peut nous donner un aperçu aussi de quoi ressemblaient les spectacles de la chanteuse devant les soldats. Même que je serais pas surpris que ce soit directement inspiré de ça. Ce n'est pas la fin du monde va devenir un hymne nazi par la suite. La chanson est chantée la nuit par les soldats sur les champs de bataille. Mais on retrouve aussi dans un grand amour la chanson un jour prochain viendra le miracle. Une chanson de propagande bien évidemment qui clame la victoire prochaine du troisième Reich de façon métaphorique. Si vous êtes amateur de punk, vous connaissez sûrement cette chanson puisque la chanteuse Nina Hagen a repris en 1983 la chanson. Évidemment, Nina Hagen n'est pas une nazie, c'est de la pure provocation mais aussi une façon de faire parler de Zara Leander. Un grand amour va devenir le film allemand le plus populaire de son histoire avec plus de 27 millions d'entrées et encore aujourd'hui il garde son titre. En 1946, par les Alliés, le film a été banni et repose aujourd'hui dans un entrepôt allemand. Le film suscite encore beaucoup de curiosité et a été montré à quelques occasions au cours des dernières décennies, et on peut retrouver quelques scènes comme celle des soldats qui chantent sur Youtube. Après la sortie d'un grand amour, Zara Leander fait savoir au parti nazi et à Joseph Goebbels qu'elle souhaite retourner en Suède plus souvent et qu'elle songe même à quitter définitivement l'Allemagne. Goebbels n'est évidemment pas très heureux de ses intentions et va contacter Hitler afin de lui faire part de tout ça. Les deux hommes vont s'entendre pour une série de mesures afin de retenir Leander au pays. Hitler et Goebbels savent très bien l'importance de Zara Leander dans la culture allemande. Ils savent que son départ va affecter non seulement l'industrie du cinéma et de la musique, mais aussi toute la société allemande qui va perdre sa star. Pour eux aussi, c'est une grande perte. Ils perdraient le visage de la propagande. Son contrat avec la UFA va être modifié. Il va devenir encore plus payant en plus d'offrir à l'actrice une influence encore plus grande sur ses productions. Un nouveau contrat que l'actrice refuse. À bout d'arguments, Joseph Goebbels va offrir la nationalité allemande à Zara Leander ainsi qu'à toute sa famille en 1942. Une nouvelle offre qui est refusée par la chanteuse. Durant cet entretien, Goebbels aurait éclaté de fureur et se serait laissé emporter dans sa colère noire. En sortant du bureau de Goebbels, Leander est convaincue. Elle retourne en Suède et reviendra en Allemagne plus tard. Au printemps 1943, Zara Leander quitte l'Allemagne par bateau. Pour le reste de sa vie, l'actrice devra subir les jugements ainsi que les critiques. as if her heart would be from ice, but uh, that was only because I think that she didn't want to get hurt. She must be a queen, queen, a queen. Quand Zara Leander décide de prendre ses distances non seulement avec le parti nazi et ses dirigeants, mais aussi avec l'Allemagne au complet, elle regagne une Suède qui a une opinion très négative sur elle. La star est confrontée à chaque jour à des journaux de plus en plus acerbes envers elle, et les commentaires négatifs sont de plus en plus nombreux. Les caricatures aussi vont se faire très sanglantes à son sujet. Peu de temps après son retour, elle apprend qu'elle est interdite de radio, mais aussi que ses films sont interdits de diffusion, même ceux tournés avant la guerre. C'est un grand coup pour la chanteuse, d'autant plus qu'aucun journal ne veut lui accorder une entrevue afin qu'elle puisse donner sa version des faits. Il lui est pour le moment en 1943 impossible de s'expliquer à son pays. En Allemagne, les nazis sont très fâchés envers Leander, et ils n'hésitent pas à dénigrer celle qui fut leur emblème pendant plusieurs années. Les nazis vont eux aussi interdire ces chansons dans les radios et vont essayer de faire la même chose avec ses films. Mais après mûre réflexion, c'est trop une partie importante pour l'économie et pour la culture. Ils peuvent pas se permettre d'effacer Zara Leander au complet. Autre chose qui va être très difficile pour Zara, c'est les rumeurs d'espionnage qui viennent des deux pays. En Suède, on dit que Leander est revenu afin d'espionner le pays pour les Allemands et en Allemagne, bien c'est le contraire. On dit que Léander était une espionne suédoise et qu'elle est retournée dans son pays afin de livrer d'importantes informations. Aujourd'hui, on sait que Zara Leander n'a pas été espionne ni pour la Suède et encore moins pour l'Allemagne. Mais tenez-vous bien, puisqu'en 2001, des documents secrets de la Suède sont rendus publics, et on affirme que Zara Leander aurait travaillé pour les services secrets de l'Union Soviétique. Tout aurait commencé peu avant son départ de l'Allemagne, donc avant le printemps 1943, alors qu'elle est convoquée par un mystérieux homme de l'Union Soviétique. Cette mystérieuse homme, dont l'identité a été censurée, aurait demandé à Leander si elle était intéressée à travailler pour les services secrets de Moscou, et Zara aurait accepté. Son nom de code serait alors devenu Rose Marie. C'est ce que nous dévoilent ces documents qui ont dormi pendant plus de 60 ans dans des tiroirs. On révèle que l'actrice et chanteuse aurait largement contribué à divulguer des renseignements sur les déplacements des troupes nazies et ainsi aider Moscou avec les déplacements de sa propre armée. Elle aurait échangé des dizaines de lettres codées avec l'Union soviétique dans le but de livrer des renseignements sur l'état de l'armée nazie, mais aussi de leurs dirigeants comme Hitler et Joseph Goebbels entre autres. Mais durant le restant de sa vie, vous allez voir que Zara Leander va complètement nier les accusations d'espionnage et ne va jamais parler de son travail top secret avec l'Union soviétique. Après un certain silence qui lui a été un peu infligé, elle n'avait pas vraiment le choix, Zara va reprendre quelques activités artistiques au milieu de l'année 1944. Dans l'une de ses premières entrevues données, elle va plaider l'innocence un peu. Elle va dire qu'elle est une idiote en politique et qu'elle ne savait rien de l'horreur que faisaient vivre les nazis au reste du monde. La chanteuse va aussi affirmer avoir été en Allemagne uniquement pour le cinéma et sa carrière, mais en aucun cas elle y était pour des raisons d'intérêt politique. Ce qui est un peu vrai, puisqu'elle a surtout fait des spectacles et des films pendant qu'elle vivait en seul allemand. Zara va aussi mentionner qu'elle était la seule star à pouvoir voyager librement comme bon lui semble en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est vrai, Zara Leander est peut-être pas la seule, mais elle est l'une de ces stars qui pouvait voyager comme bon lui semblait. À cet argument, elle va dire que si elle avait été espionne ou reliée d'une façon ou d'une autre au Parti nazi ou au service secret suédois, elle n'aurait pas pu voyager aussi facilement à travers le continent. Quand la Seconde Guerre mondiale termine, on sait pas vraiment comment réagit Zara Leander à la mort d'Hitler et de Joseph Goebbels. Le suicide des deux, je devrais dire plutôt. Elle a jamais voulu en parler par la suite, et faut pas oublier qu'elle était proche de ces hommes-là, sûr et certain pour Goebbels qu'elle le côtoyait très souvent à cause du cinéma. Ça a dû être quand même un coup dur pour elle. C'est une page dorée de son histoire qui lui a emmené beaucoup de choses et Goebbels et Hitler sont un peu derrière tout son succès allemand. Jusqu'en 1948, Zara Leander va vivre plusieurs épisodes de dépression, entraînés par les constantes critiques à son égard. Même les entrevues qu'elle donne afin de se défendre ne calment absolument rien, même que ça met de l'huile sur le feu. À chaque passage qu'elle fait, le lendemain, elle est sur la couverture de chaque journaux avec de nouvelles rumeurs et accusations. Même que certains journalistes vont analyser chaque mot, chaque tournure de phrase de la femme pour la mettre au pied du mur. Plusieurs de ces analyses lui font dire des choses qu'elle ne pensait même pas. Ça a été de la désinformation assez impressionnante. Il y a eu un certain acharnement autour de la chanteuse. Zara Leander va penser plusieurs fois à partir de la Suède pour gagner Paris, mais là-bas, après la guerre, ça brase. Les femmes qui sont suspectées d'avoir contribué aux efforts nazis ou qui ont fréquenté moindrement les Allemands sont violemment traînées dans la rue. On leur coupe les cheveux, on les emprisonne, on les lynche publiquement. Donc, pour Zara Leander, c'est pas une très bonne idée de s'y rendre. Pendant cette période où elle se demande si elle quitte ou non son pays, en plus de souffrir de dépression, elle va tenter à plusieurs reprises de se suicider. Une période vraiment très noire pour l'actrice qui bien évidemment ne trouve plus d'emploi et elle est invitée que très rarement au gala. Mais en 1948, las de ne rien faire, elle va forcer les choses. Elle retourne en Allemagne pour donner une série de concerts qui se fera à guichets fermés. Bien qu'elle retrouve un pays complètement démoli et une population changée à tout jamais, elle a encore ses admirateurs, et ses personnes l'accueillent en grand, et on lui donne de longues ovations, surtout quand elle interprète les chansons de ses films. Pour le public allemand, elle va devenir le symbole de la rupture entre la période nazie et le futur, un futur bien différent où il faut faire profil bas. À l'arrivée des années 50, Zara Leander va revenir un peu plus sur le grand écran. En Allemagne surtout, mais elle ne va jamais retrouver le succès qu'elle avait à l'époque des nazis. La majeure partie de son succès se passe sur scène. C'est vraiment là que la chanteuse attire les foules. Leander va très souvent faire le tour de l'Europe où elle se produit toujours à guichet fermé. Elle suscite une curiosité, on veut voir celle qui a été l'emblème des nazis. On se pose beaucoup de questions à son sujet, mais ses chansons sont si populaires qu'on met tout ça de côté. Dans les années 60, Zara Leander va accumuler les entrevues ainsi que les prestations sur scène. Elle devient l'image de la diva qui est enveloppée d'un voile de mystère. Elle va tout faire pour rester présente dans le show business. Elle accepte toutes les invitations pour chanter puisqu'elle le dit elle-même, c'est la seule chose qui la rend heureuse, chanter. Heureusement pour Léander, dans les dernières années de sa vie, son image publique, surtout en Europe, a beaucoup changé. Ce qui a dû lui permettre de tourner la page sur ce passage de sa vie et de passer à autre chose, de retrouver le plaisir de se produire et de chanter. Le 23 juin 1981, à 74 ans, Zara Leander succombe à une crise cardiaque. Aujourd'hui encore, persiste le mythe de Zara Leander, celui d'une femme qui, jusqu'à sa mort, a nié toute implication, toute relation intime avec le parti nazi. Une légende qui nous laisse et laissera toujours avec plus de questions que de réponses. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. att det var nåt sånt han Jag var drakens fånge han var sagans prins liksom vaknad nu.